Bonjour à toutes et à tous, je suis très très heureuse aujourd'hui de vous faire cette petite masterclass sur la numérologie karmique tibétaine. Alors il faut savoir que moi ça a été un de mes outils coup de cœur avec lequel j'ai démarré en tant que guide aujourd'hui sur cette voie aujourd'hui qui est vraiment pas toujours évidente. Hein. Je sais pas si vous connaissez un peu mon histoire, mais je suis quand même passée de représentante médicale à coach holistique en très très peu de temps. Il faut savoir que cet outil, je l'ai découvert d'abord personnellement, parce qu'on est venu me faire ma numérologie, et ça a été pour moi un gros coup de cœur, et surtout un gros coup de claque d'abord dans le visage, parce que c'est vraiment venu réveiller ma nature profonde, et c'est venu vraiment m'indiquer ma fréquence énergétique, ce que je vibrais, mes besoins, mes défis, mes atouts aussi, et le pourquoi, à ce moment-là, ben, ça ne vibrait plus. Ça a été, quand je vous dis une révélation, ça a été vraiment très très fort, parce que je me suis dit, waouh, on peut voir ça dans notre date de naissance. Avec autant de précision, je me suis dit, c'est incroyable cet outil-là, moi je veux me former pour pouvoir la faire à d'autres personnes, pour qu'ils puissent avoir aussi cette chance-là, quelque part cet avantage-là pour la suite. Alors très souvent, les personnes qui viennent à moi pour faire les lectures d'âme, parce que moi j'ai vraiment appelé ça une lecture d'âme, parce que je vais un peu plus loin que la numérologie karmique tibétaine, je pense vraiment ça comme un outil de base pour donner déjà vraiment une fréquence vibratoire de la personne, et en plus j'y mets mes atouts, c'est-à-dire cette intuition que j'ai développée, cette clairvoyance, cette médiumnité, je mets vraiment tout ça au service de la numérologie karmique tibétaine. Et c'est ce que je voulais vraiment vous annoncer aujourd'hui, c'est que je vais accompagner en janvier une dizaine de thérapeutes. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur les préinscriptions. Dans cette envie d'avoir un outil supplémentaire pour vos clients et pour vous-même aussi dans un premier temps, parce qu'on va d'abord travailler sur soi, peut-être sur son conjoint, sur sa famille. On va faire les numérologies d'un peu tout le monde pour vraiment s'exercer, pour pouvoir ensuite proposer cet outil à vos clients. Donc ce qui est génial, c'est que très vite, vous allez vous rémunérer aussi pour les personnes qui débutent. Par exemple, moi, ça a été mon cas. Ça a été l'outil qui m'a permis de me rémunérer assez rapidement. Parce que quand vous passez de salarié à entrepreneur, c'est le grand saut dans le vide quelque part. Et puis, c'est à nous à générer à ce moment-là un salaire, façon de parler. Et c'est vrai qu'il a fait le job, cet outil-là. Bon, après, je l'adore. J'y mets tout mon cœur, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne très profondément parce qu'il m'a beaucoup aidé aussi. Et dès lors, aujourd'hui, j'ai très envie de vous le transmettre pour que vous puissiez vous-même avoir ce bénéfice d'y apporter encore plus à vos clients. Que déjà, avec toutes vos facultés, vos propres outils, c'est vraiment quelque chose de très complémentaire qui rajoute encore plus de sens, plus d'informations à qui nous sommes aujourd'hui. Alors, la numérologie karmique tibétaine, je voulais simplement vous donner déjà un petit peu d'informations ici. C'est vraiment la base que vous retrouvez dans ma formation en ligne. C'est la première page que vous retrouvez dans le cahier de voyage. C'est qu'avec cette numérologie, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut retrouver son alignement. C'est qui nous sommes par rapport au jour, au mois et à l'année de naissance. Le jour, c'est vraiment l'élan vital. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai besoin pour être en santé, avoir un contenant rempli d'énergie. Le moi, c'est vraiment le moi social, c'est comment on me perçoit, mais c'est effectivement ce que vous vibrez. Et l'année de naissance, c'est comment vous allez vous réaliser ici sur Terre. Vous savez que la somme de tout ça, ça fait une mission de vie qui dit pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous êtes venu ici œuvrer sur Terre, qu'est-ce que vous êtes venu quelque part un peu travailler aussi. Aussi, au-delà de tout ça, qu'est-ce que nous voyons aussi dans cette formation? Vous allez avoir plein d'informations sur les dons, les talents, les challenges, le karma, est-ce qu'il y a une dette karmique, l'énergie du nom et du prénom. On parle aussi des maîtres nombres parce que pour moi c'est très important, le 11, 22, 33, qu'on peut retrouver dans notre date de naissance aussi. Bref, on a énormément d'informations. Lors de cet accompagnement, par exemple, lors de la première séance, on va revoir toute cette formation en ligne que vous aurez déjà dès le moment où vous inscrivez dans le programme, elle est libérée entièrement et vous avez donc à ce moment-là la possibilité de directement commencer toute la matière, toute la théorie. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans l'accompagnement, c'est la pratique, c'est venir un peu avec la théorie, mais surtout très très rapidement venir faire des carrés de l'éveil. Je vous apprendrai à faire un carré de l'éveil, c'est là où on a toute l'information
et en pratiquer un maximum, c'est-à-dire d'abord la sienne, ensuite peut-être celle de la famille, de commencer à voir les liens entre vous, vos enfants, votre conjoint, votre femme, et ensuite, pour la suite, commencer à le faire pour ses clients. Et là, on prendra 2-3 copines ou 2-3 personnes que vous ne connaissez pas pour qu'on puisse ensemble, et moi, le but, c'est vraiment d'aller le plus loin possible, vous donner vraiment toutes les clés pour que vous puissiez par la suite, quand vous serez seul, avoir cette opportunité de prendre de la hauteur et d'aller au-delà des concepts, au-delà de tout ce que vous allez retrouver aussi dans cette formation. C'est que moi, vraiment, mon objectif, je veux que vous alliez au-delà de tout ça. Ici, vous avez toutes les informations, mais si vous rajoutez vos facultés, votre intuition, vos ressentis, on peut aller encore plus loin dans les réponses. Alors, au niveau de qu'est-ce que c'est la numérologie karmique tibétaine, il faut savoir que c'est vraiment un outil précieux qui nous vient du Tibet. Hein, et là où les Tibétains nous disent que notre date de naissance a une certaine fréquence, une certaine vibration, et qu'il y aurait déjà énormément de réponses dans cette date de naissance. Quand nous venons ici sur la Terre, il y a un voile de l'oubli qui fait que quand on est tout petit, on est encore très proche de notre véritable nature. Mais avec le temps qui passe, la rentrée à l'école, les premières blessures, les premiers conditionnements, on oublie très rapidement notre unicité et on veut appartenir à un groupe. Donc on va très rapidement apprendre de l'extérieur, à vibrer comme les autres, à accepter les croyances des autres, à se comporter comme les autres pour être le moins différent possible. Et on oublie en fait qui nous sommes. Et heureusement, il y a un moment, dans l'âge adulte, la fameuse question « qui suis-je » apparaît, revient, parce qu'on se sent, on est un peu trop dévié. Ça peut apparaître par un burn-out, à l'aide d'un burn-out, d'une crise sanitaire, d'une perte de boulot, la mort de quelqu'un, d'une maladie, la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, vous allez avoir la fameuse question « mais qui suis-je réellement ?» qui apparaît. Et là, c'est là que la numérologie karmique tibétaine entre en jeu pour vous rappeler qui vous êtes. Et donc ici, ça va vraiment vous apporter autant d'infos personnelles que sur comment vous voulez œuvrer, comment votre âme veut œuvrer sur cette planète. Donc ça vous donne des informations aussi professionnelles. Prenez une feuille, un stylo, notez votre date de naissance, on va déjà faire votre numérologie de base. Okay, quel est votre alignement au niveau du jour, du mois et de l'année? Par exemple, ici, j'ai pris une date de naissance qui est le 4 février 1976, 1976 pour les Belges et les Suisses. Donc, votre énergie vitale, c'est le 4. Le 4, c'est la chaise, c'est les 4 pieds de la chaise, c'est la structure, l'organisation, la planification. C'est vraiment, tout doit être dans les clous. En général, si vous avez du 4, vous aimez quand même que tout soit rangé aussi, structuré chez vous. Ça vous met dans une belle énergie, vous en avez besoin. Le mois social, par exemple, c'est février ici, c'est le mois 2. Le 2, on sait que c'est la collaboration, l'union, le fait de travailler en relation avec quelqu'un. Ça peut aussi être des collaborations. Et c'est souvent lié à tout ce qui est patience, écoute. Donc, en tant que thérapeute, on peut avoir du 2, en tant que coach, guide, tout ça, effectivement, on a du 2 dans notre date de naissance. Maintenant, vous allez regarder votre mois de naissance et vous allez additionner chaque chiffre. Donc, le 1976, c'est 1 plus 9 plus 7 plus 6, qui va devenir un 23. Et en fait, ici, comme on fait une numérologie de base, vous allez faire 2 plus 3 égale 5, mais en réalité, dans la formation, vous allez trouver un chemin de vie, enfin, un chemin de réalisation 23-5, qui donne un peu plus d'informations. Mais si on va le faire plus classiquement, vous vibrez du 5, c'est-à-dire que vous avez, de comment vous êtes venu vous réaliser, c'est en voyageant, en vous adaptant, en bougeant. Vous n'êtes pas quelqu'un qui aime la routine, qui aime la routine, qui est derrière un bureau et qui va faire sa journée plan-plan de 8h à 16h. C'est, voilà, des chemins de réalisation de ce type-là, ce sont des gens quand même qui bougent pas mal, qui aiment que les énergies bougent aussi et que vous fassiez des choses différentes pendant la journée. Donc ici, on peut déjà regarder votre alignement sur cette date de naissance, c'est 4, 2, 5. Est-ce que aujourd'hui, j'ai de la structure? Est-ce que j'ai assez d'union, d'association, de collaboration avec d'autres personnes? Est-ce que je sors assez de chez moi, par exemple? Ça peut être des choses comme ça. Hein. Est-ce que je suis même assez, peut-être même avec des amis, hein, assez de sorties? Est-ce que je n'irai pas manger un petit morceau avec quelqu'un? Parce que j'ai besoin de ça aussi profondément. Avec ce besoin de liberté, de bouger, de voyager, de m'adapter. Vous regardez en fait ces trois énergies-là. Voici la vibration de chaque chiffre, comme ça vous allez pouvoir regarder par rapport à votre date de naissance, par rapport au jour, au mois et à l'année. Par exemple, le chiffre 1,
Chefs, leaders, guides, souvent ce sont des entrepreneurs, des indépendants, des personnes qui vraiment lead, qui ont cette aura de prendre leur vie en main. Et c'est une espèce de leader en eux vraiment qui ils savent où ils vont. Il se peut que vous êtes en déséquilibre, c'est-à-dire avoir tout l'inverse, être trop introverti, ne pas savoir être... parce que vous avez vécu des blessures de l'enfance, on vous a dit « prends pas trop ta place, ne parle pas trop fort, ne fais pas trop de bruit ». Mais à l'intérieur de vous, votre âme, elle vibre l'indépendant, l'entrepreneur, par exemple. Le 2, par exemple aussi, là, c'est être en harmonie dans les relations. Vous avez un besoin profond d'être en relation avec d'autres, mais peut-être qu'en déséquilibre, vous êtes un peu isolé parce que vous vous sentez différent, vous n'êtes pas bien avec les autres, parce que vous ne trouvez plus ce lien. Le 3, c'est la communication. C'est souvent l'orateur, le coach... vraiment c'est le talent des conférenciers, s'exprimer artistiquement par différents sens, mais souvent c'est par la communication. Mais peut-être qu'en déséquilibre, vous êtes quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec la parole, vous ne trouvez pas vos mots quand vous êtes en groupe, parce que vous avez vécu des blessures dans votre enfance, où on vous a dit « ne fais pas de bruit, tais-toi, tout ce que tu dis c'est bête, tu n'es pas assez intelligent ». Le chiffre 4 que je vous disais, c'est quelqu'un de travailleur, actif, structuré. Le chiffre 5, comme je vous disais, l'esprit d'exploration, de liberté, du voyage, du déménagement, la flexibilité aussi. Le chiffre 6, c'est l'harmonie. C'est quelqu'un qui est là pour prendre ses responsabilités, de faire des choix autant personnels que professionnels. Le chiffre 7, c'est la spiritualité, intérêt pour l'invisible, intérêt pour la nature, qui a besoin de se former, de continuer à lire plein de choses. Voilà, c'est quelqu'un qui a soif de connaissances. Le chiffre 8, l'abondance matérielle, mais pas que affective, spirituelle, c'est que tout est plus fluide pour les gens qui ont le 8 aussi, et souvent des équilibres, qui vibrent le manque. J'ai pas le droit à trop d'argent, c'est pas bien d'être riche. Vous savez, ça dépend de vos croyances, de ce que vous avez vécu comme blessure, mais vous pouvez être coupé de votre atout profond, de votre besoin d'alignement, d'avoir du 8 dans votre vie, et que clairement parce que vous avez vécu une histoire qui montre que ben, l'abondance c'est pas pour moi, on n'est pas riche dans notre famille, être riche c'est être mauvais, les gens qui sont riches ils sont malheureux, qu'est-ce que vous avez validé derrière, ou que vous ne méritez pas et que vous vibrez le manque continuellement. Le 9, accomplissement de soi. Le 9, c'est vraiment le dernier chiffre de la roue. Donc, c'est quelqu'un qui veut aller plus loin, qui veut évoluer, qui est idéaliste, qui voit la vie autrement, qui prend de la hauteur et qui est un peu plus loin que son petit jeu. Il est plus dans le soi, voilà, c'est quelqu'un d'hypersensible, c'est quelqu'un qui a envie de profondément aider l'autre, mais en déséquilibre, éponge, cœur sur la main, ben, il se fait bouffer littéralement parce qu'il est trop gentil et il vibre le oui, demande-toi tout ce que tu veux, je te dirai oui. Et souvent, on est fatigué pour les neufs qui sont en déséquilibre. Voilà, vous avez vu, ici, c'est assez sommaire. Moi, je vous apprends vraiment à prendre de la hauteur, à aller chercher d'autres vibrations plus individuelles quand vous êtes en train de faire, par exemple, une numérologie pour quelqu'un. Au début, vous allez mettre dans l'alignement chef, leader, guide, point. C'est normal. Au début, on se fait peu confiance. On va donner, restituer son cours quand vous allez faire une numérologie peut-être à un de vos clients. Et peut-être qu'à un moment, vous allez vous dire « Oui, mais non, ce que je sens, c'est un leader bienveillant, c'est quelqu'un qui est là pour devenir entrepreneur, qui a cette âme-là vraiment, qui ne peut pas travailler sous quelqu'un, qui a besoin justement de s'émanciper. » Et vous allez oser prendre de la hauteur et aller beaucoup plus loin dans la fréquence des chiffres et des nombres, parce que vous allez écouter cette petite voix qui va vous donner plus de contenu, parce que vous allez clairement vous pluguer à la personne en face. Vous allez rentrer en résonance avec elle et vous allez vous permettre d'aller au-delà et communiquer avec son âme, à elle et ses guides même. Alors ici, je voulais vraiment un peu en résumé. Donc, si vous êtes né le 4 du 2 1976 et qu'on calcule la mission de vie, vous savez que c'est la somme de tout. Ben, c'est 4 plus 2 plus 5, hein, le 5 qui est l'année, hein, 1976 qu'on avait déjà réduit, vous tombez sur 11. Là, on sait que le nombre 11 est un maître nombre qui nous parle d'intuition, de clairvoyance. C'est vraiment le visionnaire, c'est des visions. Donc, on a déjà une première information, après on le réduit, et quand on le réduit, on tombe sur 2. Et le 2, vous savez, c'est on travaille l'union, la collaboration, l'apprentissage, la patience et l'écoute. Donc voilà, ça donne beaucoup d'infos et on prend tout. On sait que cette personne, quand même, elle a du 4, 2, 5, 2. Hein. Donc, il y a quand même déjà deux fois du 2. On sait que c'est quelqu'un qui rentre en collaboration, en union avec les personnes. Souvent, on peut trouver... le 2 peut être autant personnel que professionnel.
Parfois, ce sont des gens qui ont des difficultés en couple à trouver la bonne personne. Et c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre, qui doit d'abord être travaillé avec le 1, par exemple, moi avec moi-même, remplir de moi, me remplir de moi, et pas vouloir me remplir de l'autre. Il y a plein de choses. Là, je vous donne vraiment des exemples, mais ça peut être plein de choses différentes. Donc ici, vous voyez votre mission de vie 2, et en même temps, il y a du 11 qui est un métronome en disant qu'il y a une fréquence en plus pour cette personne, qu'elle a un don vraiment de clairvoyance, elle a une vision, une intuition, elle peut voir des choses, elle peut vraiment développer ça très fort pour justement faciliter son chemin. Chemin de vie, on y va. On va aller un petit peu plus loin. Comme je vous disais, le chemin de vie, là je vous ai donné toutes les fréquences. Le chemin de vie 1, l'affirmation de soi. Vous savez que c'est le leader, le guide, voilà, l'entrepreneur. Donc l'affirmation de soi, c'est vraiment se mettre en avant. Confiance en soi, indépendance, démarrage de nouveaux projets. Ce sont des leaders qui créativité, créer des nouvelles choses. Voilà, c'est vraiment important pour lui d'être son propre chef. Mission de vie 2, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est quelqu'un qui est venu travailler sur l'union, la collaboration, l'apprentissage, la patience, l'écoute. Et peut-être que parfois, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de patience, qui ne sait pas écouter parce qu'on en a marre de l'autre. L'autre est trop différent, l'autre est ennuyant, l'autre est barbant. Et il y a juste un besoin d'aller travailler qu'est-ce qu'il y a comme colère, frustration chez soi, parce que l'autre en face n'est qu'un miroir, d'aller voir ce qu'il y a à travailler chez soi dans un premier temps. Alors, travail 3, chemin de vie 3, communication, créativité. L'orateur, on peut par exemple voir pour un chemin de vie 3, quelqu'un parfois qui est pas vraiment, n'a pas de facilité avec la communication, souvent le chakra de la gorge est fermé, bloqué, ou à moitié ouvert, mais il y a comme quelque chose qui est pas, voilà, il y a peut-être aussi, et là c'est pour aller beaucoup plus loin, peut-être des secrets de famille dans toute la lignée qui fait que le petit fardeau qui a été transmis de génération en génération, c'est des non-dits, des secrets cachés, ne parle pas trop, ne dis pas trop de choses, ça doit rester secret, la honte. Et là, quand vous mettez votre intuition, et ben ça, on va beaucoup travailler pendant l'accompagnement, c'est on va se mettre dans un état de conscience modifié et on va aller voir pourquoi aujourd'hui cette personne n'a pas cette communication aussi fluide, alors qu'elle est venue travailler avec la communication, que c'est peut-être un orateur expert ou un conférencier. Le chemin de vie 4, les quatre coins aussi quelque part, c'est le travail, l'organisation, vous avez compris, la planification. Le 5, on revient sur cette énergie de la liberté, l'adaptabilité, le changement, les voyages, les rencontres affectives, les déménagements. Vous voyez que toujours ça revient, c'est exactement la même fréquence, que ce soit sur le chiffre, que ce soit sur le chemin de vie, vous comprenez rapidement, vous allez voir qu'à force d'expérimenter ces carrés de l'éveil, vous allez retenir par cœur tous ces chiffres et tous ces nombres. Après, vous allez vraiment jouer avec, et c'est le but vraiment de cet accompagnement, c'est que vous ayez des facilités, que vous sachiez manier les nombres et les chiffres, et puis prendre de la hauteur pour aller voir ce qui se joue derrière. C'est ça qui me fait le plus kiffer. Sachez que la numérologie n'est qu'un outil que je vous donne à 100%, mais moi, l'accompagnement, il va porter sur aller beaucoup plus loin et faire des lectures d'âme. Avec, bien sûr, à la clé, comment faire un dossier pro, parce que je vais vous montrer en Canva comment faire un dossier pro. La rémunération aussi, combien puis-je demander pour une heure. On fera ça aussi ensemble sur la dernière séance, parce que c'est important pour moi de vous donner toutes les clés. Parce que très rapidement, le but, c'est de se faire rémunérer, d'abord faire un peu un laboratoire à petit prix, et puis on augmente nos prix, et puis à un moment, c'est parti, quoi. On est vraiment de plus en plus à l'aise avec cet outil-là. Alors, le chiffre 6, qui est un chemin de vie où on est vu prendre ses responsabilités. Et là, il y a des conciliations à faire. Et voilà, au niveau de l'affectif, les responsabilités au niveau du couple, au niveau des amis. Est-ce que je continue avec lui? Est-ce que je m'arrête avec elle? Voilà, les amis, c'est vraiment une construction de choses. Alors, on parle d'années constructives. Moi, j'appelle ça une vie de construction. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous invite à faire des choix. Et même si on n'a pas la réponse, c'est faire le choix quand même. Chemin de vie 7, vous savez, c'est la spiritualité, donc c'est quelqu'un qui travaille la réflexion, l'introspection, la foi, faire le point, la réflexion, l'envie d'être seul aussi, hein, assez, l'intériorité. Le chemin de vie 8 qui vous rappelle l'abondance, donc quelqu'un qui a le pouvoir, l'organisation matérielle, l'abondance dans tous les axes, hein, que ce soit beaucoup d'amis, la vie lui sourit, il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de petites choses, que ce soit matérielles ou pas matérielles même, hein.
Et chaque fois qu'il y a un effort, ben derrière, on récolte, quoi. Un effort, c'est une action, on bim, directement, on récolte. Et le chemin de vie neuf, n'oubliez pas, le dernier chiffre, toujours, hein, on n'est plus sur l'accomplissement de soi, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a déjà pas mal œuvré, et c'est déjà plus une âme qui est déjà venue quelques fois ici sur Terre, et elle est venue travailler la générosité, c'est la vie des bilans, c'est la compréhension que le monde est bien plus grand que ça, que le petit jeu ne nous intéresse plus, qu'on a envie d'être dans quelque chose de plus sage, voilà, et qu'on trie, et qu'on nettoie, et que tout ce qui est superflu vole à la poubelle. Donc voilà, c'est les prises de notes, et on viendra aussi parler du karma, parce que la numérologie karmique tibétaine nous vient nous parler de la réincarnation, qu'on se réincarne, j'en ai déjà un petit peu parlé, des vies antérieures, et que selon ce que l'on a fait avant, ben, on récolte un petit peu aussi, dans tous les sens du terme, ce qu'on a œuvré avant. On travaille les deux côtés de la pièce, toujours aussi. On peut avoir été un bourreau dans une vie, on peut être sauveur dans celle-ci, mais on peut être une victime, on peut travailler différentes choses jusqu'à on comprend à un moment qu'on sort de tout ça et qu'on n'a plus envie d'être en réaction. Mais la notion du karma, c'est vraiment action-réaction, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences à tout ce que nous faisons. Si on tue quelqu'un, eh ben, clairement, il y aura une réaction. Ben, vous savez que vous avez peut-être la possibilité d'aller en prison, d'être arrêté, d'aller en prison. C'est un peu ça, l'action-réaction. Voilà, donc on dit que les graines que vous plantez, ben, vous allez récolter exactement les fruits qui vont avec cette graine. Donc c'est d'une logique, vous allez me dire, oui, bien sûr, si je plante un pommier, je vais avoir des pommes. Mais c'est à surtout voir, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous plantez? C'est surtout ça qu'on va venir dire, et de vraiment prendre conscience beaucoup plus, qu'est-ce que je veux planter, parce que qu'est-ce que je veux récolter par la suite. Et c'est pas non plus, alors moi je sors un petit peu de tout ce qui est positif, négatif, je vous avoue, si je mets vraiment l'enseignement, mais pour moi, il n'y a rien de... c'est la dualité. Alors vous allez me dire, oui, tuer quelqu'un, c'est pas bien, mais clairement aujourd'hui c'est un peu sortir de cette dualité qu'on fait du mal pour la culpabilité. C'est d'aller voir qu'est-ce que moi j'ai envie aujourd'hui de faire, comment j'ai envie d'œuvrer, comment essayer de sortir aussi de tous ces jugements et ces critiques envers nous-mêmes, tout simplement. Et parfois on fait peut-être des choses pas bien, mais c'est de se dire, ok, là j'ai peut-être pas... super bien répondu parce que j'étais énervée, j'avais de la colère, et c'est peut-être voir comment je vais faire la prochaine fois. Parce que le but, c'est de ne plus refaire exactement les mêmes process. C'est d'apprendre à prendre de la hauteur et de s'observer et de se dire, ok, cette fois-là, j'ai complètement planté. Par exemple, ben, vous savez, on est en voiture, ça peut partir assez rapidement. Quelqu'un vous prend une priorité de droite et vous fait un petit doigt d'honneur quelque part, et vous avez été surprise et vous êtes en colère, parce qu'en plus c'est pas juste, hein, parce qu'il a pris une priorité de droite, c'était votre priorité, et en plus il s'est permis de faire un petit doigt d'honneur en vous insultant peut-être au loin. Vous, ça vous prend peut-être 30 minutes de votre vie en disant, oui, c'est quand même incroyable, il a fait ça, vous êtes en réaction et vous vous pourrissez la vie pendant 30 minutes, si pas plus longtemps, dans votre voiture. Comment faire à ce moment-là? Et ça, on va apprendre aussi à se détacher, à observer ce qu'il se joue et ne plus rentrer en réaction pour ne plus créer du karma. Ah, parce que ça, c'est l'objectif, c'est de ne plus en créer et d'en libérer. Et comme vous aurez fait votre numérologie, celle de vos amis, de votre famille, de vos enfants, on va voir aussi ce qui se joue comme karma dans votre vie aujourd'hui, avec ces interrelations, donc on ira aussi guérir tout ça pendant cette formation. C'est un peu le but aussi, c'est un accompagnement personnel, mais quand même dans une direction de le faire professionnellement. Bon, je pense que j'ai tout donné comme info. Ouais, vous savez que j'ai un groupe Facebook, vous savez que j'ai un groupe YouTube, voilà, j'ai une chaîne YouTube, et j'ai mon site kathleen-soubry.com où vous retrouvez tout. Et vous avez ici un lien que je vais vous mettre ici en dessous pour pouvoir vous préinscrire, pour avoir surtout un code promo pour janvier, parce que c'est ça que je sais qu'on attend, c'est le petit code promo, les soldes. On aime bien toujours une petite solde, et moi j'encourage, parce que je me dis, voilà, c'est moi, ça me fait tellement plaisir de faire ce métier, de pouvoir transmettre ce que moi j'ai adoré avoir, hein, très clairement, qui m'a beaucoup aidé pour moi-même, et puis pour tous les clients, et puis mes amis même, hein, ma famille. Très clairement, aujourd'hui, je fais encore des numérologies sur des coins de table pendant des repas, parce que ça aide. J'ai même déjà aidé des couples comme ça à se comprendre beaucoup mieux ce qui se jouait entre eux. C'est hyper intéressant. Et puis en plus, développer vos perceptions, parce que moi, je veux vraiment rendre ça unique. Ça ne m'intéresse pas spécialement que vous faites tous la même numérologie. C'est d'aller plus loin, c'est que votre lecture d'âme sera différente de la mienne. 1er janvier, j'envoie une newsletter à tous ceux qui se sont inscrits en donnant le code promo
uniquement ceux qui seront préinscrits auront le code promo. J'aimerais avoir bien 10 personnes si c'est possible, un minimum de 10 personnes pour démarrer, 5 semaines. C'est max 20, je ne veux pas plus que 20 personnes non plus, parce que je veux vraiment avoir de la qualité, de vous faire travailler dans la pratique, de vous superviser aussi. Avec Zoom, ce qui est génial, c'est qu'on peut faire plein de belles choses. On peut vous mettre en salle pour travailler par deux, pour vraiment faire des échanges, pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin. On fera des duos aussi. Il y a vraiment un travail de développement personnel aussi sur soi. Il y a prendre confiance en soi aussi. On va vraiment, avec la pratique, vous allez avoir de plus en plus confiance en vous pour ensuite œuvrer et pleinement vous lancer. Je vous souhaite en tout cas une très, 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 très belle journée. Vous avez toutes les informations ici, en bas, que ce soit pour vous préinscrire, ainsi que les prix et les horaires et le programme. Je vous souhaite en tout cas une belle journée. Au revoir.